Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, ça y est, pour le jour J, on part avec le tracteur et l'arracheuse à pomme de terre. Ça y est, bon, à moitié, hein, on va essayer de faire un rang ou deux déjà avant de lancer la grosse récolte. De toute façon le champ n'est pas tout à fait prêt, donc on va essayer de faire un petit peu un essai sur un rang ou deux, enfin on verra, pour voir si tout se passe bien, si les réglages sont bons, si ça se passe bien avec Mélodie derrière, si on est assez nombreux à deux. Bref, on va faire plusieurs essais, voir qu'est-ce que ça donne, voir si le sol ça passe avec l'état des feuilles des pommes de terre. Donc bref, on va faire plusieurs essais, voir un petit peu ce que ça donne, et si on voit que ça va bien, et on s'attellera à faire la plus grosse récolte quand le champ aura fini de mûrir. Donc là je vais partir faire un dernier tour de graissage un petit peu de la machine avant d'aller au champ, et après on se rejoint directement au champ de pommes de terre pour faire le premier essai. C'est parti. Allez, les carottes sont cuites ou les patates sont bouillies. Ça y est, on prépare, on est prêt. Mélodie, ça va avec le camion et on va directement au champ. Allez, bien arrivé au champ, Mélodie est en train de tirer le goutte à goutte sur cette rangée. Donc on va attaquer par les deux rangées du bord, donc pour pouvoir détourer le champ. Bon, vous voyez les patates sont encore bien vertes, il y a pas mal de fans. Moi je vais faire l'autre rangée du bord, parce que pareil, après on va revenir par l'autre côté, on va faire en tournant dans ce sens. Donc là il y a un petit peu moins de feuilles, il y a un peu moins d'herbe, donc on verra ce que ça donne. Allez. Bon allez, on a fait un petit morceau déjà, donc une paire de mètres. Bon, faut pas chômer derrière parce que ça envoie. C'est peut-être un peu juste Mélodie toute seule derrière. Bon, pour le moment c'est les premiers tours de panier, donc ça va, ça se fait plutôt pas mal, hein. On n'avait pas trop l'habitude de la machine, donc ça se fait plutôt pas mal. Je vais vous mettre la caméra derrière pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe Mélodie, parce que ça déboule avec les fans et tout, elle est un peu juste derrière toute seule. Bon, pour le moment ça va pas mal. On a déjà fait quelques caisses, donc les patates ça va, sont pas abîmées, ça va plutôt bien. Donc de l'autre côté, elle envoie les toutes petites, donc ça va pas mal, on continue, on va voir ce que ça donne dans un moment.
Première rangée de fête, pas spécialement de problème. Comme vous avez vu, il y a mon grand-père qui est venu déjà pour voir l'arracheuse et puis au final on a continué avec lui parce que pour enlever les fans pour Mélodie, ça fait un petit peu trop juste. Il y a beaucoup de fans, des grosses mottes et tout qui arrivent, donc c'est un petit peu compliqué, sachant qu'il y a un petit peu de pommes de terre en plus donc à ramasser, donc c'est plutôt pas mal. On est vraiment assez content. Regardez le résultat. Donc là il reste quasiment plus rien, hein. Il n'y a plus aucune patate à part, elle est petite comme ça, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, bon, une partie par là. Donc là, je pense que Mélodie est en train de ramasser donc les petites qui traînent. Mais vraiment, pour une première rangée, sans aucun retour dessus, on est assez content du résultat. Vraiment, c'est top. On va doucement parce qu'on n'est pas assez nombreux derrière, mais c'est pas grave. Niveau fatigue, ça n'a rien à voir. Il y a un très bon débit de chantier. Si on ne s'arrêtait pas, ça pourrait en faire vraiment beaucoup. Donc la terre est encore limite fraîche aussi. Donc du coup il y a des fois des mottes un petit peu humides, donc qui montent sur le tapis aussi forcément. Ça prend un petit peu de temps en haut pour trier, mais bon, c'est pas grave. Vraiment, c'est très très bien. Donc là je pars au camion donc récupérer d'autres caisses pour finir l'autre rangée du bord. Donc ça devrait aller un petit peu mieux, je pense. Mais les prochaines fois sûrement j'y passerai quand même un coup de broyeur. Déjà ça évitera un petit peu aussi les feuilles qui peuvent aussi venir empêcher le tri un petit peu sur le tapis qui arrive en haut. Mais bon, vraiment plutôt positif pour le premier rangée. Donc après on va essayer celle du bord, ça devrait aller. On a fait un petit peu de pommes de terre, ça c'est prêt, on a échangé les caisses, on a repris des vides donc sur la machine. Donc c'est parti, on repart pour un tour. Bon, mais voilà, deuxième renfée. Hop, pareil, Mélodie ramasse les petites dernières. Bon, ça a été un petit peu mieux, forcément. Mélodie avait un petit peu plus la main. Bon, sur cette rangée, il y avait aussi un peu moins de pommes de terre. Donc, du coup, ça a permis d'avoir un petit peu plus de temps pour remuer les pommes de terre. Donc là, pareil, on refait le tour en camion. On va aller charger donc ce qu'on a ramassé dans le camion. Et puis, ça sera pas mal pour cet essai. Qui nous suivent sur les autres réseaux comme Snapchat, Instagram, bon, certains sur Facebook, mais tout le monde l'a pas. Vous voyez, je suis assez actif sur Snapchat, ça me permet de vous mettre vraiment des stories sur le moment, au fur et à mesure qu'on fait les ramasses, les récoltes, les petits travaux. Donc merci à vous tous, vous êtes assez actifs aussi, donc mais j'essaye de l'être aussi pour vous répondre au mieux que je peux. Donc n'hésitez pas à nous rajouter donc, sur tous les réseaux, on vous met la liste là, Facebook, Instagram, Snapchat. Donc n'hésitez pas, il y a souvent d'autres publications, des choses en off que je ne montre pas forcément sur YouTube parce que c'est sur le moment et voilà. Donc voyez un petit peu des fois les coulisses sur ces autres réseaux, donc n'hésitez pas à nous rajouter. Bon voilà, alors pour finir cette vidéo, quelques points qu'on a pu voir du coup à revoir pour les prochaines fois. Donc ça va être au niveau du défanage, donc pour éviter qu'il y ait trop de feuilles qui montent. Malgré que ça ne bourre pas, il n'y a pas de problème, on n'a pas de feuilles qui se sont bloquées ni rien. Pas de souci particulier. Au niveau du rotor, on est en vitesse 1 pour ceux qui se demandent. J'étais en plus petite vitesse au tracteur sans accélérer. Il y en avait largement de reste, vous avez vu, j'étais obligé de m'arrêter à plusieurs reprises. Pas de souci particulier. L'évacuateur, vous vous rappelez que j'avais fabriqué, ça va super bien, aucun problème. Mis à part que peut-être il me faudra faire un petit retour comme ça parce que Mélodie des fois se prend les grosses mottes sur les pieds. Rien de particulier, mais au niveau de l'évacuation, ça n'a pas bourré, les feuilles sont passées, vous avez vu, pas de problème. Peut-être un support un petit peu plus large, il me faudra faire pour les caisses, parce que du coup, là, ça avait tendance un petit peu à, avec les vibrations, ou faire quelque chose d'antidérapant dessus. Le stockage des caisses, ça va bien.
L'enfoncement c'était bien, il me semble qu'on n'a pas loupé de patates. Donc vraiment top, vraiment validé pour le premier coup. Juste vous dis, mis à part que j'avais ramassé aussi un petit peu trop humide, là bon on est entre deux, hein, on est entre les primeurs et sec. Donc du coup j'avais laissé arroser et j'avais coupé quelques jours avant. C'est encore un petit peu trop humide. Voilà, donc pour ceux qui tardaient de voir un petit peu la machine en action, je l'ai fait. Je ferai sûrement une vidéo un petit peu plus complète et mieux quand on fera le vrai arrachage. Donc je vous montrerai tout ça à la suite. Si vous avez des questions maintenant que j'ai vu en utilisation, n'hésitez pas à me demander. Merci encore à tous pour votre suivi sur la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.